Bonjour tout le monde. Je m'appelle Maryse Delisle. Donc, on est le 21 décembre 2023 pour la dernière après-cours de l'année 2023 au niveau de la reconnaissance des acquis des compétences pour les métiers semi, la formation, un métier semi-spécialisé. Donc, toujours le bonheur d'être là avec Richard Pinchot, hein, le support technologique du récit. Alors, on va débuter. L'ordre du jour, je ne vais pas vous le partager parce que ça ressemble aux mêmes ordres du jour, là. Donc, on fait toujours un tour de table pour savoir où est-ce que vous êtes rendu chez vous au niveau de la RAC FMS. Puis si vous dites, moi, on n'a pas encore commencé, bien, on veut quand même vous entendre. Vous êtes qui? C'est quoi vos projets? Tout ça, on est là pour s'aider, s'inspirer. C'est ça, une communauté d'échange. Aussi, s'il y a des questions spécifiques, vous allez pouvoir m'y donner, puis je vais pouvoir répondre au mieux de mes connaissances. Je vais prendre un petit 5 minutes pour rappeler les limites de la RAC FMS, hein, quand est-ce que des fois ça ne marchera pas dans telle ou telle situation, là, pour être des fois réaliste dans notre démarchage. Puis à la fin, pour ceux qui ont de l'intérêt, bien, je parle des ressources, là, les sites Internet, tout ça, là, où est-ce que vous pouvez trouver toute l'information nécessaire au niveau de la RAC FMS. Alors, on serait déjà prêt pour débuter le tour de table. Donc, le tour de table, c'est vraiment, là, tout le monde, on a le temps que tout le monde prenne la parole pour dire où est-ce qu'ils en sont dans leur organisme scolaire au niveau de la RAC FMS, est-ce qu'ils ont fait des avancées, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Une communauté d'échange aussi, c'est d'empêcher les autres de faire les mêmes erreurs que nous. Donc, on est vraiment là pour échanger. Ben, vas-y, Margot, on va t'écouter, puis après Chantal. OK. Ce sera. Alors, moi, c'est Margot pour le Centre de services scolaires des Monts et Marées à Matane. Bon, moi, dans la RAC, j'ai une vingtaine d'entreprises d'approcher, approchées au niveau de l'employeur. Sur une vingtaine, j'ai 10 dossiers inscrits en RAC. En restauration rapide, on parle de Tim Hortons, j'en ai 5. Dans une friperie, j'en ai 2. Dans un commis de dépannage, j'en ai une. J'en ai 5, 6, 7. Ensuite, j'avais le Subway où j'avais 2 personnes. Comment j'ai fonctionné quand que les gens ont manifesté un intérêt? C'est que j'ai retourné laisser une enveloppe avec tous les documents à compléter qui comprenaient la fiche d'inscription. Puis là, je mettais des petits collants là, sur chacune des fiches, de chacune des feuilles, compléter votre inscription, faire compléter la lettre que vous êtes bien engagé par votre employeur, le document des tâches d'auto-évaluation, mes coordonnées. Et je leur disais, si vous avez des questions ou vous ne gênez pas, je reviens. Mais je donnais un délai de 2 semaines quand je n'avais pas de nouvelles pour retourner. Fait que là, il n'y avait pas eu le temps de regarder ça. Ensuite, je donnais un délai de 1 mois pour retourner. Donc, je viens de faire le tour à nouveau de mes 10 inscriptions. Et sur mes 10, j'en ai 2 qui ont abandonné. Un qui s'est retiré de l'entreprise et l'autre, le monsieur disait qu'il était trop vieux. Là, il ne voulait plus embarquer. Il trouvait ça compliqué, lui, juste de refaire son CV, même si je lui ai offert de l'aider ou que je le dirigeais à Carrefour Jeunesse Emploi. Il disait, non, moi, l'âge que j'ai là, j'en veux pas de certificat. Fait que c'est là que je suis rendue. Je prends une pause avant les fêtes, mais après les fêtes, là, je veux retourner là, dans les commis aux marchandises. Là. Je veux faire les entreprises comme Rossi, Arc, Walmart, Canadian Tire. Fait que je vous dirais que le contact avec l'employeur, il est bon. J'y vais pas par téléphone, j'arrive vraiment directement. Je leur dis que ça va prendre 15 minutes, mais ça prend vraiment 30 à 45 minutes pour expliquer la démarche. Mais ils sont ouverts, ils trouvent ça intéressant. Ben, moi, Margot, je te dis, tu as toutes mes félicitations. Ça, c'est un bon truc. Tu es physiquement en présentiel, tu sais, ça va prendre 15 minutes. Là, ils disent OK, 15 minutes. Là, ils sont intéressés, puis ils ne veulent plus que tu partes. Ben, ça, c'est le meilleur truc de 2023, Margot, pour le démarchage auprès des employeurs. Aucun courriel, aucun appel téléphonique. Hein, si vous ne connaissez pas, c'est presque qu'ils nous raccrochent au nez. Vraiment.
C'est parce que moi, je l'ai vécu en formation professionnelle, puis ils ne retournent pas les appels. On tombe sur la boîte vocale, ils sont en formation, ils vont être de retour telle date. Ça fait une semaine que la date est passée, ils ne t'ont pas rappelé. Moi, je trouve que c'est plus frustrant que de me présenter puis qu'on me dise, j'ai pas le temps, je veux rien savoir. Parce que ça aussi, je l'ai déjà vécu. Mais je me dis au moins, ils m'ont vu, j'ai laissé la documentation, j'ai eu le temps de faire mon speech. Fait que je trouve ça moins insultant comme ça que de ne pas avoir de retour. Fait que. Bien, il faut comprendre, là, les entreprises sont extrêmement sollicitées. Il faut comprendre aussi, fait que je pense d'avoir une approche vraiment humaine, une approche accessible. En tout cas, ça démontre là, que tu as démarché des entreprises, puis tu as réussi là, à avoir entamé les démarches. Puis en restauration rapide, pour y avoir retourné là, cette semaine, ben là, bon, premièrement, ils nous reconnaissent, hein, quand ça fait 3 fois que tu y vas. Mais je veux dire, je suis quand même bien accueillie. Ils me reconnaissent, ils me disent, ben là, on a eu encore beaucoup de formations, parce qu'ils ont beaucoup de formations à l'interne. Fait que là, on n'a pas touché à ça. Fait que là, j'en parlais hier avec la CP parce que je trouve ça important de travailler en collaboration avec ma conseillère pédagogique parce que je me dis, moi, là, j'ai comme pas de bureau, je suis dans ma voiture, ils ont beau avoir une adresse courriel. S'ils appellent au centre d'éducation, ben, je pense qu'il faut que la conseillère pédagogique soit au courant de toutes les étapes de la démarche, où que j'en suis rendue pour qu'elle puisse répondre à ma place. Parce que c'est important de répondre vite aussi. Quand ils sont prêts et qu'ils ont des questions, ben, il faut être vite. Parce que moi, je pense que c'est ça. Fait que là, quand on me dit chez Tim Hortons, on me dit, bon, ben, on a eu beaucoup de formations, c'est pas grave, c'est la période des fêtes, mais je vais revenir. Je leur dis qu'ils vont me revoir, mais je suis quand même bien accueillie, puis ils sont quand même ouverts, puis ils le veulent quand même, là, mais. Mais Margot, aussi, c'est important, des fois, l'entreprise, hein, c'est quand le bon moment dans l'année. Parce qu'eux autres, des fois, ils ont des moments plus en période, ben là, tout le monde capote à Noël. C'est quand les bons moments dans l'année où est-ce qu'il y a les conditions favorables, ça, c'est important. Puis, en tout cas, d'y retourner à un moment donné, tu vas tomber sur le bon moment, puis en effet. Puis Mélanie, la conseillère pédagogique avec qui je travaille, ben, me disait peut-être qu'après les fêtes, je pourrais leur proposer une date ou que je pourrais aller m'asseoir simplement chez Tim Hortons. Je donne l'exemple de Tim Hortons parce que j'en ai 5 là, où je leur donne une date, tel avant-midi, je vais être là, de telle heure à telle heure. Fait que s'ils ont des questions pour les aider à compléter ou au moins ouvrir l'enveloppe que j'ai laissée avec les documents dedans pour les expliquer, parce qu'on passe par l'employeur, on n'a pas le choix. Mais c'est difficile d'atteindre la personne qui veut avoir sa reconnaissance. Elle est à l'emploi, à travail, puis à l'employeur, on leur dit, on les sort pas de leur travail, on les dérangera pas, mais il faut quand même le créer, ce petit moment-là, avec la personne pour répondre à ses questions. Oui, Fait c'est que je vais ça. l'expérimenter après les fêtes d'offrir une disponibilité terrain, assise. Fait que s'il n'y a pas de clients ou que c'est à leur pause, ben, je serai disponible pour répondre à leurs questions. On va essayer ça. On fait essai-erreur, puis on va voir comment ça va aller. Peut-être, Margot, aussi te renseigner un peu, tu sais, est-ce qu'il y a vraiment des heures où est-ce qu'un corps de travail termine? Souvent, moi, les séances d'information, hein, si le corps de travail termine à 16 heures, ben moi j'étais là à 16 heures pour qu'ils ont fini de travailler, puis on avait une petite rencontre, ou des fois même si tu sais, il y a une personne qui rentre à 16 heures, l'autre à part à 16 heures, ben rencontrer les gens avant leur quart de travail ou après leur quart de travail, ça c'est des stratégies là, que moi j'avais faites pour les rencontres en entreprise. Puis quelque chose qui est important que je veux partager avec les collègues, c'est que pour l'avoir vécu, là, c'est vraiment faire attention aux évaluations des tâches. Parce que là, on s'en est parlé, puis on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on allait dans un milieu où que les tâches n'étaient pas nécessairement réalisées. Puis là, on a une évaluation à faire. Il faut s'assurer que les tâches qui sont à être évaluées soit effectué dans l'entreprise où on va ou comment est-ce qu'on peut aller combler ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je me suis fait jouer le tour avec ça. Fait que là, ce qu'on a fait, moi, avec la conseillère, c'est qu'on les sort les tâches, on les regarde. Puis on a aussi, Mélanie est bonne, elle a fait une petite publicité. Exemple, si les 3 grosses épiceries, Samatane, Maxi, Super C, IGA, il n'y a pas tous les titres d'emploi. Il n'y a pas des commis à la charcuterie. Ou il n'y a pas à être bouché dans les 3 épiceries.
Donc, on s'est fait une petite publicité où on va énumérer vraiment les tâches spécifiques à chacune pour encore là que le document, s'il est épais, puis qu'il y en a la moitié qui n'est pas vue, ben, que la personne n'est pas découragée à dire, ben là, je ne vois pas ça, je ne réponds pas à, je n'aurai pas mon certificat, je ne fais pas toutes les tâches. De prendre le temps de le voir avec l'employeur. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait aussi. Fait qu'on arrivait avec comme un résumé, puis on cochait. Fait que là, on va pouvoir laisser, on peut vous donner un certificat dans votre milieu sur ces métiers-là, parce que vous l'avez en entreprise. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, là. Il faut que vous allez en Oui. fait, si jamais là, faire un petit, peut-être plus un petit certificat maison, là. Oui, ou comme je vous disais, là, si on va sur les Super C, il n'y a pas les commis, tous les types de commis qu'on peut retrouver chez IGA. Fait qu'au lieu d'arriver avec la publicité qu'on énumère tous les Non, métiers, oui, c'est ça. là, eux autres, ils voient ça gros. Fait que là, en rencontrant l'employeur, on fait tout de suite un tri de qu'est-ce qui peut être remis comme certificat dans leur entreprise, spécifique à leur entreprise. En tout cas, ça, c'est l'exemple pour les trois épiceries, là, que. Les tâches, les titres sont différents l'une à l'autre. Je comprends mieux, Margot. Fait que dans le fond, c'est sûr, hein, quand tu veux approcher l'employeur, tu veux approcher les employés, il faut que tu les approches, il faut que déjà que tu saches qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, que ce soit clair, l'offre de service, puis qu'ils s'y reconnaissent immédiatement. C'est ça. Fait que ça, c'est une erreur que j'ai faite au début, là, mais on s'ajuste. Ben voilà. C'est fini Ben pour moi. merci beaucoup, Margot. Vraiment, merci. Alors, on avait Chantal Harrison qui avait levé la main. À toi, Chantal. Oui, bon, moi, je travaille pour le Centre de services scolaires de Charlevoix. Je suis toute seule avec, ben, je suis l'enseignante responsable de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes adultes et du RAC FMS. J'ai fait le premier, j'ai terminé mon premier au mois de novembre. C'était une réussite. Et là, j'enclenche sur d'autres dossiers aussi, mais à partir de janvier, ma direction m'a demandé de mettre vraiment l'emphase sur la publicité. On a engagé un nouvel agent de développement, donc on présume qu'il va me donner quelques heures, là, parce que comme je suis toute seule, puis je fais du raccrochage scolaire aussi avec d'autres jeunes, là, que pas juste au niveau d'un métier, mais au niveau académique aussi. Donc, j'ai plusieurs chapeaux, comme on dit, mais ça va bien. L'ouverture avec les employeurs, elle est bonne. Mon nom commence à circuler, le programme commence à circuler. Donc, des fois, quand je me présente, on me dit, ah oh, oui, Chantal, on a entendu parler de toi. Donc, Ah! là, je fais rire le monde, j'espère que c'est en positif et non en négatif. Donc, tu sais, donc, ça circule dans le milieu, puis les gens sont satisfaits de ce qu'on va leur offrir. Puis je leur dis toujours une étape à la fois, parce que des fois, ils trouvent ça gros. Puis, comme Margot disait tout à l'heure, moi, j'ai vu un employeur, il me dit, ben moi, là, j'ai pas de temps à donner. Là. Moi, demande-moi pas de former des jeunes. J'ai dit, non, vous êtes déjà, il est déjà formé, le jeune. C'est juste, faut juste faire l'évaluation. J'ai dit ça, moi je vais en faire une partie, puis vous allez en faire une partie avec moi, puis avec le jeune. C'est quelque chose que... Ah, OK, parfait. Je pense qu'il faut vraiment, je pense, cibler les employeurs, bien cibler, expliquer aux employeurs que ça ne leur demande pas du travail supplémentaire, parce qu'ils sont déjà à court de personnel. Quand on leur demande de faire une tâche de plus, ils sont débordés. Donc, quand tu dis que c'est toi qui as tout le dossier, c'est toi qui le montre, c'est toi qui prépare tout, ça soulage les employés. En tout cas, moi, j'ai vu que les employés et les employeurs étaient beaucoup plus réceptifs quand que je disais non, non, moi, là, la paperasse, L'accompagnement, c'est moi. C'est l'accompagnement, ça. il faut que tu le donnes. Je pense que ça, c'est une étape importante. Tu es là pour accompagner à toutes les étapes, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Je pense que Exactement. ça fait partie des conditions gagnantes. Chantal, est-ce que tu fais comme Margot, que tu te présentes vraiment dans les entreprises pour en parler? Est-ce que c'est aussi ta En stratégie? janvier, on va commencer. Sur ce, je te J'ai donne. d'autres mandats, mais j'ai parlé avec ma direction pour qu'en janvier, j'aille des dossiers de moins, là, tu sais, qui arrêtent de m'en mettre pour qu'on puisse se consacrer vraiment. Parce qu'ils veulent vraiment qu'on le développe à 100 %. Mais si ils veulent qu'on le développe à 100 %, ben, il faut que je délaisse à certains endroits. Mais je voulais dire à Margot, je trouve ça intéressant
ton idée de préparer une enveloppe avec tous les documents que le jeune ou ben, l'adulte doit avoir pour compléter puis remplir, là. Ça, je trouve ça intéressant que tu laisses puis tu reviennes. Je trouve ça intéressant. Je vais prendre l'idée. Ben, moi, je pense que l'accueil, si tu es capable de faire un accueil en présence de la personne, de vraiment une rencontre avec les personnes, les individus, et avoir les documents très bien highlightés, tout ça, moi, je pense que c'est vraiment le combo gagnant parce que juste laisser des documents à cette clientèle-là, généralement, ils ont besoin du soutien pour les remplir. Ça va. Le remplir les documents, c'est un obstacle psychologique pour les personnes candidates. Fait que oui, d'avoir les choses bien préparées avec une enveloppe de retour, avec une date de retour, mais il y a vraiment un accueil qui est l'étape de l'accueil qu'on dit où est-ce qu'on va expliquer c'est quoi le projet, leur montrer comment le remplir, puis dire ben pourquoi tu as besoin d'aide, je vais te donner de l'aide. C'est vraiment important parce que juste envoyer par courriel ou c'est sûr qu'ils ne déposeront pas les dossiers. Non, c'est ça. Puis je tiens à dire merci à Mélissa et à toi, Maryse, pour l'accompagnement que tu nous donnes. Hein, parce que je vous appelle, je vous envoie souvent des petits messages. Là, je suis tout mêlé. Puis je trouve ça le fun qu'on puisse avoir du support comme ça là, rapidement aussi, parce que vous êtes très occupés, on le sait tout le monde. Là, mais c'est très apprécié. Merci beaucoup. Donc, c'était ça. Bien, merci. Puis Chantal, c'est ça, elle dit, ah, l'accompagnement, vous savez que moi, j'ai le mandat provincial de soutien au réseau pour l'AREC FMS. Puis maintenant, j'ai ma collègue Mélissa Leblond, là. Fais aller tes mains, Mélissa, pour qu'ils voient que c'est toi. Donc, c'est ça qu'on va poursuivre, là. Fait que n'hésitez pas si vous êtes nouveau, puis que vous souhaitez, vous avez des questions, surtout que dans les premiers dossiers que vous avez, les premiers clients que vous avez à chacune des étapes, vous avez des petites questions, n'hésitez pas à faire appel. À moi, peut-être, Richard, tu peux partager mon adresse courriel au clavardage. N'hésitez pas à m'écrire, prendre un petit rendez-vous. On est là pour vous soutenir. On allait après-cours, mais après, individuellement, là, on peut se voir entre les après-cours. On a Mélissa Leblanc. Mélissa, ben, ça va être un bel exemple aussi de comment tu as utilisé tes liens antérieurs pour développer la règle. J'aimerais ça que tu puisses en mettre un peu d'emphase là-dessus parce que ça va répondre. Ben oui. Ben, donc, Mélissa Leblond, conseillère en RAC RP et FMS au Centre de services de la Beauce-et-Chemin, nouvellement depuis octobre, mais moi, dans ma vie antérieure, j'étais enseignante, superviseure de stage en métier semi-spécialisé. Donc, je connaissais déjà là, les métiers Au secteur des semi-spécialisés. jeunes. Oui, au secteur des jeunes. Donc, moi, au début, là, j'ai vraiment fait là, du. J'appelle ça annoncer la bonne nouvelle. Moi, je me suis vraiment là, réseautée là, au niveau là, des que ce soit les personnes à l'interne, que ce soit le réseau externe. Donc, j'étais présentée l'ARAC FMS aux chambres de commerce, j'étais au centre économique aussi. J'ai rencontré aussi des MRC. Ensuite, au niveau de l'interne, ben, j'étais vraiment faire une séance d'information au personnel, aux conseillères en orientation, au TOS. En janvier, je vais faire aussi la même chose au niveau d'un centre de formation à l'éducation des adultes, où là, ça va être tout le personnel qui va être là parce que autant les enseignants, parce que eux, ils peuvent avoir une personne qui est inscrite puis qui voit que ça pourrait être un plus que de vivre. Une certification en métier semi-spécialisé. Et comme Maryse le disait tout à l'heure, c'est sûr que moi, mon démarchage, j'y étais beaucoup avec mes experts, dans le fond, les connaissances puis les milieux que je connaissais déjà. Parce que, bon, dans mon autre vie, j'avais fait affaire avec eux. Fait que c'est sûr que eux me connaissaient. Donc, déjà là, c'était beaucoup plus facilitant, autant pour eux que pour moi. Puis lorsque je leur parlais de l'ARAC FMS, ben c'est sûr que il y avait de l'écoute parce que je n'avais pas à me justifier. Bon, j'étais qui, je faisais quoi. Donc, il y avait déjà un lien qui était établi. Donc, dans ce sens-là, ça a été facilitant. Puis, j'arrivais déjà aussi avec, comme Maryse le disait tout à l'heure, avec une préparation. J'étais préparée. J'avais déjà épluché dans cette entreprise-là les métiers semi-spécialisés qui étaient possibles de faire. J'avais regardé les compétences qui étaient aussi
en lien avec le métier semi-spécialisé. Donc, quand que l'employeur me posait des questions, ben, j'étais capable de dire, ben, ici, ben, vous avez tel métier semi-spécialisé. Puis, j'ai aussi fait un petit document où que je faisais l'énumération. J'ai énuméré les métiers semi-spécialisés. Puis, en discutant avec lui, ben, bien que des fois, j'avais fait une recherche sur l'entreprise, ben parfois, lui, ben, il m'en amenait des autres. Ah, mais puis là, ben, je faisais comme, ah, ben, c'est comme, soit qu'ils ont une autre usine que je n'avais pas pensé ou peu importe. Fait qu'on les ajoutait dans cette liste-là. Donc, c'est vraiment, c'est moi, mon démarchage, ça s'est vraiment basé là, sur mes contacts que j'avais déjà. Parce que moi, c'était plus sécurisant aussi. Puis, c'était, comme Maryse l'a dit tout à l'heure, ben, si on y va, puis les personnes ne nous connaissent pas, ben c'est vraiment, il faut avoir un pitch de vente vraiment incroyable, là. Fait que c'est ça. Puis, ben, jusqu'à récemment, ben, j'ai fait les premières reconnaissances des acquis, des compétences en métier semi-spécialisé pour le centre de services de la Beauce-et-Chemin. Dans le fond, moi, j'ai vraiment fait là, l'accueil, j'ai vraiment pris le temps avec l'employeur de rencontrer les trois candidats, de vérifier, de les accompagner dans le. On peut dire pour compléter les inscriptions, pour voir qu'est-ce qu'il y avait aussi. Donc, j'ai vraiment pris du temps pour être là. Puis l'employeur, nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça une partie avant qu'ils partent en pause. Donc là, ben, ils ont comme été dégagés de leur corps de travail un petit peu. Puis, lorsque j'ai fait les entrevues de validation, c'était aussi avant leur dîner. Donc, c'est vraiment là, de cette façon-là que j'ai pu, là, avec la collaboration de l'employeur, faire les entrevues de validation. Puis, je ne sais pas, Maryse, qu'est-ce que tu veux que je raconte Moi, je veux que tu d'autre? parles. C'est ça, il y avait une personne candidate. Puis des fois, tantôt, là, on parlait d'un candidat plus âgé qui n'était pas intéressé ou bon. Puis, mais ça, tu as eu un candidat un peu plus âgé. Puis, il y avait un enjeu au niveau de la formation générale. Parce que vous savez, dans les conditions de sanction du métier semi-spécialisé, il faut que la personne ait fait des heures, hein, en formation générale, donc 200 heures en langue d'enseignement, soit français ou anglais, 150 heures en mathématiques. Puis 100 heures en langue seconde, soit français, soit anglais. Et ce monsieur-là, lui, il n'avait pas ses bulletins. Puis j'aimerais ça que tu parles des deux démarches que vous avez faites pour obtenir ça. C'est ça. Fait que dans le fond, moi, quand j'ai fait la première rencontre d'inscription, tout ça, le monsieur bon, me dit qu'il a déjà fait le cours d'ISP dans mon centre de service, mais que lui, dans le fond, il vient de la région de la Gaspésie. Il demeurait à Gaspé. Donc, moi, j'ai commencé à faire avec son. J'ai demandé au monsieur d'avoir son autorisation pour que je puisse communiquer avec les centres de services pour avoir justement là, les informations en lien avec son parcours scolaire. Donc, j'ai débuté par mon centre de services parce que, bon, il m'avait dit qu'il avait suivi le cours d'ISP, moi, c'est ça. Donc, j'ai envoyé ça aux archives. Les archives n'ont rien trouvé. Donc, là, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, je vais faire la démarche de demander le relevé de notes. T'sais. Fait qu'encore là, justement, directement par le site sur le justement pour avoir le relevé de notes, ben là, avec le monsieur. Je viens de le partager, tout le monde. Si vous voulez voir c'est quoi, là, je viens de le partager au clavardage. Donc, avec le monsieur, j'ai complété cette demande-là. Puis, pour avoir justement son relevé de notes, parce que bon, le monsieur, il a une cinquantaine d'années, c'est sûr que trouver des bulletins, non, c'était pas possible. Ben, c'était pas possible physiquement, il les a pas. Puis là, c'est ça, moi, j'ai fait la demande avec lui là, sur un relevé. Puis, bon, moi, j'ai continué mes démarches, tout ça. Puis, quand je suis venue pour faire l'entrevue de validation, j'avais toujours pas le code permanent.
J'ai revalidé avec le monsieur où qui venait. Fait que bon, il m'a dit là, ah, il dit, je viens de la Gaspésie. Fait que là, moi, j'ai eu son autorisation pour communiquer avec le centre de service de Chic-Choc. Puis en même temps que j'avais, là, Chic-Choc ont trouvé l'information, mais en même temps que j'ai eu l'information, mais le monsieur, lui, il a reçu son relevé de notes. Donc, on a comme eu vraiment là, le package deal. Puis, je dirais que ça a été quand même simple, là, justement, là, par la demande, là, par Internet pour le relevé de notes. Je m'attendais à ce que ça soit long, que ça soit fastidieux, mais non, ça a été quand même En bien. 2 semaines, hein? Ouais. Puis au niveau là aussi là, du partage d'informations entre centres de services aussi, ça allait bien. Le fait d'avoir l'autorisation du monsieur, ben, tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour l'ouverture d'un dossier, pour poursuivre la démarche. Mais le monsieur, il a d'autres choses à faire que ça, là, que lui, il continue à travailler, là. Fait que cette paperasse-là, moi, en tout cas, je trouve ça important que, tu sais, on donne ce temps-là. Parce qu'on leur gagne à la fin, là. Fait que le monsieur, là, j'ai toutes ces choses, tout ça, puis ça a été vraiment, là, t'sais, ça, dans les deux démarches, ça a été quand même très bien, là. Il faut le dire aussi, hein, dans le fond, Mélissa, elle a fait une demande aux archives du centre de services scolaires. Bon, c'était Chic-Choc. Fait qu'à ce moment-là, vous devez savoir que quand c'est les bulletins du secondaire, bien, à ce moment-là, normalement, c'est gardé jusqu'à la 75e année de vie de la personne. Fait qu'on a des archives dans nos centres de services scolaires, on en a tous. Donc, c'est certain que pour aller fouiller dans les archives d'un centre de services scolaires, vous devez avoir l'autorisation de la personne et aussi, tu sais, le nom des parents, la date de naissance, le lieu de naissance, parce que, tu sais, je vous donne des exemples, là, des Chantal Poulin, mettons en Beauce, il y en a pas mal, là. Fait qu'il faut les distinguer lesquels. Donc, pas juste avoir le nom, prénom, date de naissance, le nom des parents, le lieu de naissance, ça prend beaucoup d'informations pour être sûr qu'il identifie la bonne personne. Puis, je vais faire un petit peu de chemin sur, je pense que c'est la dame du début, là, Madame Margot, qui disait qu'il y avait un candidat qui était quand même âgé, qui a pas, tu sais, que lui a décidé de pas poursuivre. Moi aussi, j'en ai eu un. Puis, au début, l'employeur, tu sais, il l'avait pas ciblé. Puis, c'est lui d'emblée qui, c'est lui par après, il dit, ah, il dit, pourquoi moi, je l'ai pas, tu sais. Fait que là, on l'a inclus dans notre démarche. Mais le monsieur, à un moment donné, il est comme reviré de bord, puis il dit, ouais, mais à quoi ça va me servir d'avoir ça? Il dit, moi, je t'avais de faire ma retraite, d'avoir ma retraite. Fait que là, c'est là que j'ai comme joué un peu sur les émotions. Donc, j'ai dit, ouais, mais je dis, il n'est jamais trop tard pour avoir une certification, pour avoir une reconnaissance, tout ça. Je dis, hey, vous allez les recevoir par la poste, dans une grosse enveloppe, dans un carton, tout ça. Fait que le monsieur, ça a comme fait, ah, ben là, ah. OK. Fait que là, il a continué à embarquer dans la démarche. Et je voulais juste répéter l'importance de l'accompagnement de la personne candidate aux premières étapes, hein, de vraiment bien expliquer c'est quoi, de donner du soutien pour la préparation du dossier. Parce que c'est sûr que vous savez que si tu reçois juste une enveloppe avec les documents dedans, tu dis, ben moi, je ne les ai pas, mes relevés de notes, ben la personne, elle l'arrête, là. Elle dit, je ne l'ai pas, je ne peux pas le faire, c'est impossible. Mais nous autres, on sait qu'il y a différents moyens d'aller rechercher ces relevés-là. Donc, il y a vraiment ce soutien-là pour ces personnes-là. C'est indéniable là, pour les amener à déposer leur dossier. C'est des étapes parce que souvent, on a beaucoup d'investissement de temps à mettre. Tout. Génial. Bien, merci, Mélissa. Je vais juste nommer, c'était pour quel métier? C'était pour quel genre d'entreprise? Qu'est-ce qu'il faisait? Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est préparateur, préparatrice de commandes. C'est fun de savoir c'est quoi les métiers parce qu'il y en a tellement que des fois on n'y pense pas. Alors, Lina Brochu, je t'invite à, si tu es capable d'ouvrir ta caméra, te présenter, qu'est-ce que tu fais, t'es pour quel organisme scolaire? Bonjour, ben moi je suis toute nouvelle. Je suis arrivée le 4 décembre pour le centre de services scolaires La Riveraine. Donc, je suis en FGA. Je viens de me joindre en fait à l'équipe. Puis, ben mon mandat, entre autres, parmi les mandats, sera justement RAC FMS.
Donc, pour l'instant, là, je suis à prendre connaissance du dossier. L'équipe a déjà fait un beau travail en amont, là. J'ai accompagné ma collègue aussi, Valérie Gamelin, là, qui est conseillère ici. Là, je l'ai accompagnée cet après-midi, justement, là, on va finaliser une deuxième rencontre. Donc, en fait, pour l'instant, moi, je suis pas encore sur le, ben, je suis sur le terrain, mais en accompagnement. En janvier, là, je vais les aider puis ouvrir la machine là, pour pouvoir avoir de nouveaux milieux. Voilà. Fait que nous, dans le fond, les dépistages se font autant au niveau des élèves en FGA que dans les entreprises. Puis, moi, dans mon mandat aussi, je vais faire de la relance des élèves qui ont abandonné et tout ça. Puis, parmi ça, bien, je vais proposer justement. L'ARAC FMS. Donc là, moi, c'est ça, j'ai fait du démarchage. Moi, je viens de la formation professionnelle. J'ai fait du démarchage pour des milieux de stage, justement, en santé dentaire. Donc, je connais un peu le démarchage, je connais un peu tout ça. Fait que c'est ça. Donc, je vais me joindre à l'équipe pour pouvoir maximiser notre ARAC FMS. Moi et Valérie, on sera comme les noyaux là, du projet ici en FGA. Puis, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Fait que pour l'instant, je n'ai pas de partage. Donc, je me nourris de vos expériences puis de l'expérience d'ici. Mais ça viendra certainement dans les prochaines rencontres. Là, toi, t'occupes quelle fonction à la riveraine? Oui, c'est vrai. Je suis agent de développement persévérance scolaire. Génial, merci. Ben, en tout cas, Oui. c'est intéressant ce que tu disais, hein, parce qu'il y a vraiment, on peut hein, trouver de la clientèle qui sont déjà dans nos centres FGA quand il y a l'accueil au SARCA qui en font du dépistage, puis aller dans les entreprises. C'est qu'il y a comme deux voies hein, de communication pour l'ARAC FMS. Tu les as bien nommées. Puis honnêtement, les agentes là, de persévérance scolaire, souvent, là, c'est un beau poste pour faire la promotion puis le dépistage de la reconnaissance des acquis. Puis souvent, on voit que ça fait un levier, hein? Ça fait un levier peut-être de terminer leur service au centre de service scolaire sur une bonne note, qu'ils finissent par une Ouais. certification. Fait qu'au moins que tu sais, ça finisse sur une bonne note que. T'sais, ils sont tannés de l'école, hein, ils disent, moi, je suis allé Ouais. travailler, ben regarde, on va faire au moins ça, puis quand tu seras prêt, tu reviendras. Il y en a aussi qui ont poursuivi en FGA, hein, suite à avoir fait l'ARAC FMS. Oui. Il y a des cas, puis il y a des cas aussi qui ont été cherchés les préalables, parce que s'il y avait un secondaire 2 avec un CFMS, ça donne une passerelle pour certaines AEP. Certains programmes menant à un DEP. Donc, tu sais, ça l'amène là, une possibilité de plus. Donc, bienvenue, bienvenue, puis Mais merci merci, merci beaucoup. d'être très actif. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait la parole? Est-ce que tout le monde a parlé? Je pense qu'il en reste. Hein? On a peut-être ensuite de ça, qui n'a pas parlé encore, là? Christine, aimeriez-vous dire où est-ce que vous êtes rendu un petit peu? Présenter les deux, votre organisme scolaire. Moi, je suis conseillère pédagogique à la FGA au Centre d'éducation des adultes à Trois-Rivières. Je couvre toutes les matières, puis j'accompagne une enseignante qui a commencé à C'est bien. travailler avec l'ARAC. Mais on est à nos tout débuts. Fait que Oui. je vais laisser l'enseignante se présenter. Oui, bonjour, mon nom est Jacinthe Rodrigue de Chemin-du-Roi et j'ai commencé là, j'ai rencontré la personne que je vais accompagner et c'est une préposée dans la restauration rapide et j'ai commencé des premières démarches, l'auto-évaluation. Ensuite, là, j'ai fait la fiche de suivi aussi du candidat. Et là, après les fêtes, comme je lui ai dit, là, on va se rencontrer parce qu'elle ne vient plus à l'école. Elle le fait à la maison, là. Elle étudie à la maison. Alors, on va se rencontrer dès le début de janvier. Et bon, son employeur est d'accord, mais moi, je vais aller le rencontrer, l'employeur,
pour lui expliquer parce que je lui ai pas donné le dépliant encore, là. Tout est prêt, mais je vais lui donner le dépliant puis je vais lui expliquer la façon que ça fonctionne. Et là, c'est ça. La démarche là, est commencée. Et vu que ça fait longtemps qu'ici, à Chemin-du-Roi, on n'a pas racké. Ça fait, je pense, 2 ans qu'on n'a pas racké personne. Alors, j'ai l'intention de m'y mettre et de continuer à racker autre personne. Ce qu'il faut préciser, c'est que nous, on l'utilise pour vraiment quand on voit qu'un élève il stagne dans son cheminement scolaire. C'est comme une autre façon de lui permettre d'atteindre une qualification, puis une reconnaissance. Puis après ça, de le garder au moins attaché, tu sais, si jamais plus tard il veut suivre une formation, ben il va pouvoir revenir faire des formations continues. Fait que c'est ça notre idée en ce moment. On n'est pas encore dans le grand démarchage. Non, mais c'est génial, hein, des fois, moi, je trouve que c'est vraiment important d'implanter le service au sein même de la clientèle qui est au centre de service scolaire pour dépister, justement, parce que c'est comme un petit service de plus qui va permettre une qualification d'une personne que sinon, oups, serait partie sur le marché du travail, puis de finir avec un gain, de finir avec un succès, parce que sinon, ils finiront pas avec un succès. Ça permet de finir une étape de scolarisation par un succès en disant, écoute, ça l'a donc bien, bien fini, tu reviendras. Ça donne plus envie de revenir que partir découragé. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis j'ai envie, parce que c'était tellement bien écrit, vous l'avez tellement bien décrit, pardon, les étapes de la démarche, que je vais juste faire un petit rappel par rapport à ce que vous avez nommé. L'importance de rencontrer aussi l'employeur. Fait que si c'est le schéma de la démarche RAC FMS, puis selon, hein, est-ce qu'on commence, fait que là, qu'est-ce que vous nommiez ici, hein, c'est vraiment, hein, vous avez commencé à en parler à un adulte, à un de vos élèves, là, qui était comme, bon, sur le bord de quitter l'école, demande de l'adulte, un accueil de l'adulte, tout ça, puis, hein, vous êtes rendu, Mme Rodrigue est rendue avec la rencontre de l'employeur. La préparation du dossier est avancée, l'analyse aussi, mais c'est sûr qu'avant de faire l'entrevue de validation, il faut rencontrer l'employeur. Fait qu'en effet, vous êtes dans les bonnes étapes. Puis Margot, au début, elle disait, au début, j'ai rencontré l'employeur, puis les employeurs qui voulaient, je faisais une rencontre, puis après, j'allais vers les adultes. Donc, c'est aussi de bonnes étapes. Fait que c'est toujours, hein, la RAC FMS, je le rappelle, pour une raison de faisabilité. On doit avoir un partenariat avec l'employeur. On se rappelle aussi que c'est un dispositif de reconnaissance d'acquis pour le programme d'intégration socio-professionnelle. Donc, on cible les gens qui ont réussi leur intégration sur le marché du travail, ça va bien, ils ont un emploi. Donc, c'est ceux-là qu'on vise, mais du fait que les observations doivent se faire dans leur milieu de travail, ils doivent être en emploi, on doit, dès les premières étapes du projet, asseoir la collaboration avec l'employeur. Donc, vous l'avez vraiment, je trouvais, bien décrite, puis je voulais peut-être le préciser ici. Oui, c'est Jacinthe. L'employeur est déjà au courant Oui, c'est ça. que je vais lui donner un rendez-vous en janvier. Alors, mon élève lui a dit que elle C'est ça. voulait que je le rencontre parce qu'il y avait une démarche de commencer. Et en fait, il y a 2 superviseurs de cette personne-là. Alors, si c'est pas Sébastien, ça va être José, mais tous les deux, il y a une, José, je la connais déjà. Alors, je ne suis pas en Beauce, mais je connais quand même des gens à Trois-Rivières. Ben voilà, c'est ça, c'est Oui. ça. Ben voilà, ben tout à fait, mais merci. Ben bon succès, merci. C'est le fun aussi d'être une équipe parce que des fois, les places que la personne est seule pour développer la RAC FMS, ben surtout quand on commence, on n'a pas de réseau, ça peut être décourageant. Fait que de le faire en équipe, de se concerter. Moi, je suis tout le temps là aussi pour vous donner un soutien par rapport des fois aux des questions plus techniques au niveau du dispositif, mais je trouve que ça, c'est un beau modèle aussi de travailler en équipe. Merci beaucoup.
pense qu'il restait Émilie Côté. Ceux qui commencent, ne pas se décourager, là, au début, c'est vraiment difficile. Moi, ça fait un peu plus que 2 ans là, que je fais du démarchage, puis ça commence à débouler un petit peu, là. T'sais, ça fait 3 ans que je suis dans mon point de service ici, puis les enseignants commencent à me parler de leurs élèves. Ah, oh, peut-être lui, ah, oh, peut-être lui. Mais t'sais, j'y vois tous les jours, puis j'en parle régulièrement, puis ça a pris tout ce temps-là avant que ça commence à rentrer un petit peu. Hier, j'ai eu une rencontre avec un employeur qui fait déjà des FMS en MGA. Puis là, il y avait déjà d'autres employeurs qui étaient là. Donc, j'ai rencontré leurs 5 potentiels hier qui vont faire 2 métiers chacun. Ils étaient super contents. Fait qu'on va C'est pour pouvoir quel métier? être cuisinier plongeur. Dans le fond, c'est un organisme qui fait comme de la récupération de nourriture. Là, ils prennent l'over des épiceries et tout, puis ils font des repas pour les écoles. Fait que, ouais, donc il y avait déjà quelques stagiaires. Il y avait déjà eu des stagiaires de FMS à la polyvalente, ils en ont déjà eu en MGA, là. Fait que là, on rentre avec la RAC là-dedans. Puis, dans le coin du Granit, on a une entreprise adaptée qui vient d'acheter la ressourcerie. Fait que là, ils m'ont appelé. Ils disent, ah, ben là, tu sais, je suis comme oui. Fait que là, j'ai rencontré cet après-midi, là, pour voir qu'est-ce qu'il y a là. Donc, ça commence à bouger un petit peu, mais ça va avoir pris plus de 2 ans de plus de 2 ans d'effort, là. Mais c'est faisable. T'sais, on en parlait, Joyce se demandait comment on fait pour être en lien avec les employeurs. Puis au début, si tu arrives, puis t'es pas connu dans le milieu, ben c'est certain qu'il va y avoir une étape de te faire connaître, d'aller dans les rencontres tranquillement. Il y a comme, faut développer le lien de confiance, c'est à développer avec le marché du travail quand on veut aller vers là. Donc, c'est certain que ça. Malheureusement, puis des fois, il faut le dire aussi au gestionnaire, là, c'est pas parce que j'appelle un employeur qui va dire oui, là, il faut être dans le réalisme, là, des démarches, mais un coup, tu en as un, puis après, tu dis, on connaissait un autre qui pourrait avoir de l'intérêt. Vous savez, d'être référé, de faire votre réseau. Émilie, tu l'as bien dit, tu as travaillé sur ton réseau interne. Aussi, oui, c'est ça, j'ai pas le choix. Puis à chaque Hein? examen, je refais mon petit speech, je leur représente C'est tout, je leur fais. ça. Puis à un moment donné, après la rencontre, je dis, ah, oh, mais j'en avais un l'année passée. Je suis comme, bon, ben, go, là, tu sais, moi, je peux le rappeler, il n'y a pas de problème. Puis comme Mélissa disait, tu sais, j'ai fait toutes les rencontres de chambre de commerce, de centre local de développement, tu sais, j'ai mis ma face partout le plus possible. Ça donne pas, tu sais, c'est pas le lendemain qui rappelle, là, mais un mané, un. Tu sais, j'envoie des rappels. On s'est déjà parlé à un moment donné, c'est calme, il y a un moment que je vous reparle. Puis là, j'ai eu des réponses, j'ai eu des retours. Là, ah, ben janvier, ah, ben novembre. OK. Mais là, je me cédule des choses vraiment d'avance, mais il y a quelque chose. On s'en va vers quelque chose. Émilie, tu vas pouvoir faire ta reconnaissance d'équipe pour la SP en représentation. Parce que c'est vrai qu'en fait, du démarchage auprès des employeurs, auprès des organismes, il faut voir que c'est du développement à moyen terme. T'sais, eux autres, c'est pas parce que tu vas les parler que demain, c'est ça leur nouvelle priorité. Mais là, ils vous connaissent, puis là, à un moment donné, ça va pouvoir s'insérer. C'est vraiment de s'informer sur les activités réseautage professionnel d'entreprise, d'entrepreneurs qu'il y a dans votre région. Là, ben, demandez à votre centre de services scolaires, est-ce que je peux aller? C'est ça, là. Fait que des fois, c'est des déjeuners d'affaires, des fois, c'est des dîners d'affaires, des fois, c'est des soupers d'affaires. Donc, c'est vraiment d'aller vous lier dans tous ces réseaux d'affaires-là. Je voulais juste faire un petit rappel. Des fois, sur les limites de la RAC FMS, parce que tantôt, Margot, elle disait, ah, j'ai eu des petits recadrements à faire là, avec les employeurs. Puis je sais que moi, je suis là, ah, on va raquer tout le monde, on va faire de la raque pour tout le monde. Ça peut arriver que vous arrivez dans un milieu, puis les tâches, hein, le travail que les gens font, vous ne trouvez pas de lien avec des métiers semi-spécialisés. Donc, c'est vraiment important quand vous allez voir les employeurs de bien vous informer sur les postes et les fonctions de travail des gens. Sinon, on va dire oui, on va reconnaître tout le monde. En reconnaissance des acquis, on peut reconnaître seulement les gens en fonction de nos dispositifs, de nos programmes d'études, de nos métiers semi-spécialisés. Fait que si la personne fait quelque chose
Ça ne fait pas partie de notre liste de 132 métiers semi-spécialisés. Malheureusement, ce ne sera pas nous qui allons pouvoir la reconnaître. Fait que ça, c'est une première limite. Donc, c'est juste quand vous allez en parler, de dire, c'est possible, on va analyser le métier que tu fais, on va s'assurer de. Donc, amener quand même une petite nuance pour ne pas faire des promesses que finalement, oups, j'avais pas vu qu'elle fait pas la moitié des compétences spécifiques du métier semi-spécialisé. Fait que ça, c'est un élément. Aussi, le deuxième élément, vous savez, hein, que dans les conditions de sanction, on retrouve en plus, hein, oui, de réussir toutes les compétences spécifiques du métier semi-spécialisé, d'avoir une lettre d'employeur, d'avoir soit un CV ou une demande d'emploi. Et des fois, les gens qui disaient, je ne ferai pas de CV, vous pouvez aussi seulement leur faire remplir manuellement une demande, ouais, un formulaire de demande d'emploi. Puis à ce moment-là aussi, ça va le faire. Mais il y a tout le volet pour les conditions de sanction de la formation générale. Fait que malheureusement, quand c'est des personnes qui ont fait leur scolarité primaire, secondaire à l'extérieur du Québec, bien, ça va être plus difficile pour eux de pouvoir se faire reconnaître le volet de la formation générale. Il va vraiment falloir qu'ils aillent vers soit des examens seulement, soit vers un TENS, donc faire le prior learning. Donc, ils vont devoir réussir des dispositifs de reconnaissance des acquis de plus pour la formation générale pour avoir leur métier semi-spécialisé. Vous pouvez quand même leur proposer. Tu sais, je vous dis, c'est important de le proposer. Mais il faut savoir que si vous avez une entreprise, vous ciblez qu'il y a des personnes qui ont fait leur scolarité au Québec, tu as des personnes qui ont fait leur scolarité hors Québec, bien, il y en a qui vont avoir un petit peu plus de choses à faire pour obtenir leur certificat. Fait que ça, c'est important de le prendre en considération pour bien l'expliquer. Aussi, on sait que si c'est des personnes, par exemple, qui ont un permis de travail temporaire, ils n'auront pas nécessairement la gratuité scolaire. Et des fois, on arrive dans une entreprise, puis il y a vraiment une clientèle variée. Bien là, vous vraiment vérifiez bien avec l'employeur, là, bon, est-ce que les gens ont la résidence permanente pour la gratuité scolaire? Parce que souvent, l'employeur, lui, s'il fait, il va le faire pour tout le monde. Et s'il se rend compte que pour la moitié de ses employés, on ne pourra pas offrir le service, ça va amener un problème d'équité dans son entreprise. Fait qu'ils vont dire, bien, on n'ira pas de l'avant. Fait que ça, c'est un petit peu des limites. Fait que je pense que c'est important quand même de poser ces questions-là à l'employeur. Quand vous faites vraiment la démarche de RAC, que vous faites vraiment du démarchage sur le marché du travail, il y a des questions à poser au niveau des statuts des employés là, auprès de l'employeur si vous ne voulez pas vous retrouver avec des mauvaises surprises ou de grandes déceptions. Fait qu'il me restait là, pour s'intéresser, je fais toujours un petit rappel. Des outils, hein, où trouver l'information si vous êtes nouveau pour la RAC FMS. Donc, vraiment, là, sur le site d'accompagnement FGA, donc c'est vraiment, on pourrait dire, le site officiel où est-ce qu'il y a les informations sur la RAC FMS. Donc, là, je ne vais pas cliquer sur chacun, mais juste vous dire, là, si vous ne l'avez pas encore lu, le guide administratif. Donc, on explique de A à Z là, comment faire la RAC FMS d'étape à étape. Puis, on a aussi en accompagnement trois capsules de formation qui présentent, là, qui ramènent tous les éléments là, du guide administratif. Ensuite de ça, on a là, les petits guides, les petits dépliants. Fait que si vous en avez déjà là, imprimé un. Donc, le guide, la personne candidate, fait quand Margot disait, je mets dans une enveloppe tout ce que la personne candidate a besoin, bien, tu sais, ça en fait partie, le guide, la personne candidate, l'auto-évaluation, la fiche d'inscription. Donc, ça fait partie des documents à remettre à la personne candidate qui explique. C'est certain, quand on donne un dépliant, pour moi, c'est un outil complémentaire à l'explication qu'on va donner à la personne. Surtout si on s'adresse à une clientèle de métiers semi-spécialisés qui sont peut-être un peu plus faibles lecteurs que nous. Fait que ça peut être épeurant. Donc, c'est toujours un outil d'accompagnement. Rien ne vous empêche non plus des fois, de faire un petit vidéo qui explique c'est quoi, puis d'avoir un petit code QR sur ce que vous pourriez mettre ici qui donne de l'explication. Tu sais, des fois, là,
Il y a une clientèle que maintenant, c'est beaucoup la vidéo qu'ils utilisent hein, pour apprendre. Puis c'est ça qu'ils consultent des vidéos. Donc, ils ne consultent plus un document papier. Fait que rien ne vous empêche à faire un enregistrement, présenter le dépliant, mais vous qui parlez, qui expliquez, qui pointez, ça peut être aussi quelque chose de possible. Plus ça en va, plus on a une clientèle qui utilise la vidéo. Donc, ça peut être une possibilité. Fait qu'on a un dépliant pour le candidat, puis plus loin, on a aussi un dépliant pour l'employeur. On a aussi, si c'est nouveau ici, chez vous, vous mettez en place, on a une proposition, on a un plan d'organisation pour un peu votre organisation administrative. Vous devez savoir aussi, là, quand vous allez sur les trois petites barres, qu'il y a une foire aux questions de la RAC FMS sur le site d'intégration socio-professionnelle. Donc, vous choisissez vraiment RAC FMS. Puis, on a mis vraiment questions-réponses sur les questions les plus souvent posées par le réseau. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez jamais lu, d'aller lire parce que des fois, des choses, ce n'est pas dans le guide administratif, mais ça amène des précisions. Généralement, les questions qu'on me pose, là, la réponse se trouve de ce côté-là. Et finalement, au niveau des après-cours, on a la bibliothèque des après-cours où est-ce que tout ce qu'on fait, ce qu'on partage entre nous dans la communauté, à ce moment-là, puis il y en a, je veux juste pour vous voir, je veux juste pas pour que vous sachiez c'est quoi, mais juste l'ampleur de comment, à d'année en année, on a partagé des sites Internet, des vidéos, des documents, des trucs. Là, regardez comment ça, c'est sur 13 pages, là, de documents disponibles, là. Fait que je vous le mets dans le clavardage. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et moi, je vais rester disponible pour les questions, mais je vous remercie infiniment pour ben, écouter votre volonté hein, de faire de la reconnaissance d'acquis pour les métiers semi-spécialisés. Hein. C'est un petit certificat, mais je pense qu'il fait vraiment de grandes choses dans le cœur des personnes candidates qui le reçoivent. Moi, je pense que c'est, vous allez le voir quand vous allez avoir des candidats qui finissent, là, la fierté, comment ils vont être fiers d'eux, le sentiment d'efficacité. Personnel, un sentiment d'accomplissement peut-être qu'il n'y avait jamais eu avant en lien avec le système scolaire. Fait que si vous pouvez donner ça en elle aux gens, bien merci.